Les Américains ont la classe dans leurs films, vous savez. Dans n'importe quelle situation, ils arrivent à mettre de la classe. N'importe quelle situation. Un médecin paumé à la campagne, ils lui mettent de la classe. Docteur Stevenson, vous allez faire la tournée des malades malgré ce grand froid? Oui, Madame Chani. Vous savez, Madame Chani, qu'il vente ou qu'il neige, les malades ont besoin de moi et je dois être auprès d'eux. Rentrez chez vous, Madame Chani. Buvez une bonne soupe et restez auprès de vos enfants. Joyeux Thanksgiving, Madame Chani. Et ensuite, ils exportent. Joyeux Hanouka, Madame Metsoussan. Eidetoum Mabarak, Muhammad. Fatima. C'est vrai qu'on a la classe. N'en faites pas trop. Les Américains ont la classe, et nous, en France, on essaye d'importer cette classe. Par exemple, les Américains ont fait un film sur le pianiste aveugle noir, qui est passé récemment d'ailleurs, Ray Charles, voilà. Et ils ont appelé ce film Ray. Ben, je suis sûr que chez nous, en France, dans quelques années, on aura notre Gilbert. C'est une différence de classe. Un mec qui éteint les incendies aux États-Unis, ça s'appelle un firefighter. En France, ça s'appelle un pompier. Il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Independence Day. Je vous rappelle le pitch, vous savez, c'est les extraterrestres qui arrivent sur Terre, prennent en otage toute la planète, détruisent la Maison Blanche, et là, les êtres humains ont une idée géniale, c'est... Enfin, les Américains ont une idée géniale, hein. C'est d'envoyer un virus informatique sur le vaisseau mère pour casser leur défense et les attaquer. Et ça marche. Ils envoient un virus informatique et ça marche. C'est pourquoi les extraterrestres aussi utilisent Windows. Autre situation très cliché dans les films américains, vous savez, c'est le jeune hacker de 16 ans qui a réussi à pénétrer avec son ordinateur portable dans les locaux de la CIA, comme ça, tranquille. Et là, il se branche au serveur, tu sais, ça marche direct et tout. T'sais. Toi, tu galères 2 heures en hotline pour avoir la DSL. Lui, ça marche direct. Il est là, il transfère tous les fichiers de la CIA sur ton ordinateur. Et ça, tu le comprends bien qu'il transfère, parce que sur son écran, il y a marqué « transfert ». Tu sais, avec la jauge en dessous qui se remplit, c'est 40%, 50%, 60%. Il est là, il tape. Et là, on s'aperçoit de quoi? Que le gardien qui fait sa ronde, il arrive. 70%, 75%, t'sais, il tape, il a pas de souris, c'est un américain, t'sais. 80%, 85%, le gardien se rapproche. 90%, 95%, 90%, 99%, le gardien arrive. Il ouvre la porte, et il n'y a plus personne. Le mec est planqué, comme ça. Y'a quelqu'un? Hé, hey John, viens boire un café! J'arrive. Hé, le mec est sauvé parce qu'il aime le café! T'imagines le mec, il aime pas le café? Hé, hey John, viens boire un café! Non. J'aime pas le café. Rien. Bonjour monsieur, rien. Michael? Je vais plutôt prendre un chocolat. Pour connaître la suite de cette histoire, sachez qu'il a pris 3 sucres. C'est beaucoup, non? S'il y a bien une chose en tant que comédien dans laquelle j'aimerais pas me retrouver, je quitte un peu les États-Unis pour arriver dans un pays très proche de chez nous, s'il y a bien une chose dans laquelle j'aimerais pas me retrouver, c'est un épisode de Derrick. C'est quand même un concept, Derrick. Tu sais, c'est la seule série qu'on a traduit en français et on a gardé les noms en allemand. Quoi, Stéphane? Tu veux dire qu'il est à la Hauptstrasse? Allons-y. Et paradoxalement, il y a une chose dans laquelle j'aimerais vraiment me retrouver, vous savez, c'est les bandes-annonces de films. J'adore les bandes-annonces de films, je trouve ça génial. Les bandes-annonces à l'américaine, tout ça. À chaque fois que je vais voir un film, des fois, je préfère même la bande-annonce au film. Et l'autre jour, j'ai vu un film, moi, c'était pas mal, mais avant le film, il y avait justement cette bande-annonce et... Oh, comment vous dire, c'était une bande-annonce comme ça. Les productions des cinémas américains présentent... Dans une petite ville du Mississippi, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. C'est là que nous emménageons, chérie. John, c'est merveilleux. Je t'aime, chérie. Je t'aime, John. John Winterman avait tout pour être heureux. Une famille. Bobby, Jerry, n'allez pas jouer trop loin, les enfants. Papa, d'accord. Mais il est des secrets qui ne meurent jamais. Wafi, mon chien, où es-tu?
Oh mon Dieu, Wafi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Oh mon Dieu, ils m'ont retrouvé. Jenny, les enfants, vite, montez dans la voiture et roulez jusqu'à la frontière. Non, papa, nous laisse pas, nous laisse pas. Si, si, je vais les retenir, je vais les retenir. Si c'est moi que vous voulez, je suis là, vous m'entendez, je suis là. Cette fois-ci, tu es mort, John, fais tes prières. Mais ils avaient oublié un petit détail. Hé, hey, c'est à toi la poubelle garée sur mon gazon, Mac. Eddie Murphy est un voisin pas comme les autres. Je suis le nouveau voisin et je viens livrer les pizzas! Un voisin pas comme les autres! Tous les opposés, pourtant ils vont former la meilleure équipe du monde! Ok, occupe-toi de nous trouver une nouvelle bagnole! Ok, mec! Avec ou sans siège en cuir? Un voisin pas comme les autres! Un film pour toute la famille! Dis-moi, t'as pas l'intention de manger ce donut dans ma voiture? Non! Un voisin pas comme les autres, avec la participation exceptionnelle de Kian Kojandi dans le rôle du pompiste. Eh, hey, salut les mecs! Je vous fais le plein? Un voisin pas comme les autres, le 29 août au cinéma!